qu'il pose 280 questions dans sa haine moi-là. À tout qu'il gagne, il en répond, mais il pose 280 questions. L'opposition, il amène trois motions. Une motion de Salawens contre Speaker. Une motion de Salawens contre le fait qu'il est express exempté IAE. Une troisième motion, l'OGN 15, le fait qu'il ne paye au-dessus du tiers tout contrôle, l'OR propriété action dans certains propriétés. Retransmission en direct, qui redynamise la politique à Maurice, qui aussi démocratise l'Assemblée nationale. Et ce qui est important qu'il nous rappelle, c'est qu'en bas, le ministre, le premier ministre peut répondre, il ne peut pas répondre à un député. Aujourd'hui, il peut répondre en direct à la nation tout entière. On dit comme ça que si l'opposition reste unie, si l'opposition reste solidaire, je suis persuadé qu'il nous faut gagner l'élection générale avant la fin de l'année. Je peux insister et je signer pour dire que Omega Org va recevoir beaucoup de faveurs, va favoriser par NIC Healthcare Limited. Il va favoriser parce que dès le début, depuis octobre 2015, et maintenant tout va bien. Depuis octobre 2015, Pete Diman lui-même donne proof of funds. Voici ce l'offre, nous bien rappelle, en octobre 2015, il pousse 62 millions de dollars. 62 millions de dollars. C'est-à-dire 2,3 milliards de roupies. Et vous pas accepter une offre pour 2,3 milliards de roupies de n'importe qui, X, Y, Z. Vous dites, ok, nous avons une offre, mais monsieur, est-ce que vous n'avez pas ça comme vous êtes, si vous acceptez? Vous pouvez faire l'offre, si vous acceptez l'offre, est-ce que vous n'avez pas ça casse là? Et donc, depuis cette époque-là, vidéo, dans ce cas-là, Pete Manley donne preuve qui tenait sa casse là, depuis octobre 2015. D'accord? Et jamais il n'est pas donné pour sa 62 millions là, de dollars. Jamais il n'est pas donné pour faire France. Ravine Jacqueline vient dire dans le Parlement que c'est en août 2016. Qui donne une lettre d'une banque qui appelle Crédit Industriel et Commercial. Mais en août 2016, la situation est changée net. Il n'a plus pu acheter le bâtiment. Il peut acheter juste l'équipement pour un tiers au prix. Donc, mon point, c'est que depuis octobre 2015, il a besoin de soumettre pour faire fun, il n'a pas de soumettre. Tout finit tardé. Quand tout finit tardé, tout banque policier odeuse, contribuable, il peut casquer 20 millions, 30 millions de roupies, subventionne ça l'hôpital là par mois. Voici l'hôpital là, son revenu, moins ce qu'il dépense, environ 20 millions, dépend de la docteur, soit là, 20 à 30 millions par mois. Donc, quand Pétardé, depuis octobre 2015, il favorise Omega Org, c'est contribuable avec Super Cash Black Gold, dépositeuse qui peut payer. Je me demande de Pravin Jagnat publier sa lettre là, parce qu'il comme on dit, c'est contribuable qui vient faire les frais. Publier sa lettre de août 2015 de Salabank Crédit Industriel et Commercial pour nous éviter vraiment qui tient dans sa lettre. Heritage City tient un projet piloté directement par Anirou Jagnat. Quand il est parti Maurice, il préside comme conseil des ministres. Et dans le conseil des ministres, en son absence, tout le monde trouvait que dans ce forme, ça, Heritage City là pas capable d'aller là. Le conseil des ministres résette Heritage City, mon président. Des jours après, il rentre à l'aéroport. D'après moi, il fait une grosse colère. Il appelle un special cabinet meeting. Il nous a dit, alors qu'il est dans le cabinet, de toute façon, vendredi. Il appelle un special cabinet meeting, 10 pour le dossier Heritage City. Il est là. De chérité, c'est du passé. Parce qu'il n'y a pas insisté. Donc, ça, c'est la vérité de l'orientation. Pour finir, nous avons le congrès annuel demain, et pas demain, dimanche matin, à partir de 10h. Mais il est important aussi pour dire qu'il nous dévoile une dizaine de points importants de nous manifester.